Bonsoir la VOD. On est sur Spider Fox. Le titre et l'écran d'accueil partent de lui-même. Je teste pas le jeu avec une volonté immense de découvrir son univers et tout. Juste, je pouvais le prendre et il y avait un renard araignée quoi. Donc je l'ai pris. Est-ce que là, attendez, la manette est prise en charge? Mais je crois pas, hein. Je commence à sortir la manette, mais je pense pas. Ah, peut-être, on va tester. Attention, c'est parti. Alors j'ai du PC de fou les graphismes, parce que sinon ça rame du cuc. Voilà. Ça va en foutre dans son laboratoire en train de faire des expériences. During his experiments, he discovered how to combine two different animals into one. Ah mais attendez, c'est une voix de... Commencer à combiner tous les animaux de la Terre. Il y avait un jeu comme ça. C'était Impossible Créature. Ah bah il y avait exactement cette bestiole, je crois, dans Impossible Créature. Une araignée et un renard ont été les deux derniers animaux à être combinés. Voilà, l'araignée aussi, c'est une tarentule. Sa double se fait T-White. Oh, il est dégueulasse! Regardez ce petit cul d'araignée! Mais putain, c'est même pas logique! Une araignée, c'est un gros. Un événement inattendu se produisit. Le renard avait tellement d'amour que les toiles d'araignée avec lesquelles il a fusionné pouvaient guérir les animaux. Il guérit avec son jus. Le savant fou a essayé de le détruire, mais Spider Fox a réussi à piéger le savant fou avec sa toile. Le son est super fort des os. Il fait des petits. Ah, je vais voir si je peux baisser la musique et les bruitages pour entendre que ces petits. Ah. Parfait. Curriculum vitae. Il s'appuie sur curriculum vitae, tu retournes au jeu, mais. Putain, what the fuck? Je fais ça, je fais start. J'appuie sur curriculum vitae. Et je ressens. Ça me fait revenir sur le jeu. Ça n'a aucun sens! Attends, il y a un animal combiné sur l'île, vous devez guérir Spider Fox. Vous devez le guérir Spider Fox, oui, dis-moi qu'il me dirige. Ah, vous voyez pas, mais il écrit ça derrière moi. Oh, je peux envoyer des toiles, ok. Oh non! Un labrapoule! Je peux enlever le... Ok. Je l'ai guéri. Ah oui, d'accord, ils redeviennent normaux. Enfin, il y a qu'un seul des deux animaux... Un seul des deux animaux qui redevient normal. Beaucoup trop d'images que ce... cauchemardesque dans ma tête. Je sais pas pourquoi. Franchement, vous êtes sensible. Oh là là. Oh là là, regardez. Non mais regardez-moi ça. En plus, on entend un cœur battre là, trop chiant! J'espère vraiment que sur Twitch ça va. Voilà. Ça va ressembler à ça. Coucou. Attendez, voilà. Coucou, Stiffy! Bonjour, Stiffy. Tu vas bien? Laisse-moi entrer dans ta tête et dans tes rêves. Bonjour, Twitch. C'est Spider Fox qui vous parle. Attendez, je vais essayer de trouver un... Je vais essayer de trouver un truc. Je vais essayer de trouver un filtre adéquat. Oh, il marche plus mon truc Snap Camera, fichier en... You. J'arrive, je suis là. Hein. Je suis là. J'espère vraiment juste que ce sera ça la miniature de Twitch quand les gens cliqueront sur ma VOD. Enfin, pas ma VOD, quand les gens cliqueront sur mon stream qui verront ça en gros. J'espère beaucoup. Ah, je l'ai plus, tant pis. J'ai plus Snap Camera, je le trouve plus. Putain, je l'ai viré, ça veut dire, vraiment.
Mais si, il est là, normalement. Ah non, il est là. Non, il est là. Ça, c'est Snap Camera. Normalement. Ah non, ça, c'est ça. Ah oui, d'accord. Et ça... Excusez-moi. Tant pis, je ferai pas mes filtres. C'est peut-être déjà assez cauchemardesque, remarquez. Tant pis. Voilà, je suis là. Alors, du coup, nous disions... Pourquoi un cœur qui bat en permanence? J'ai baissé du coup. Je vais peut-être remettre la musique plus forte et les bruitages moins forts. Parce que bon, ces cris, on les entend à peine, mais fait... Effet sonore, musique. Curriculum vitae. Vitae. Je sais pas où faut que j'aille. Mais je vais aller par là. On laisse les Suédois trop à l'aise, je trouve. C'est vraiment un studio suédois qui a fait ça. Moi, je pense que c'est une IA. Ok, mais qu'est-ce que je fous maintenant? J'ai libéré un dogo. Ah, la poule, elle est là-haut! Je l'ai libérée aussi. Je peux pas escalader alors que je suis un renard avec 8 pattes. Ah, c'est par là. Et c'est un super web. Je vais mettre mon super web. RT. Spider-Fox, nous devons guérir tous les animaux. Commençons par la forêt de conifères. Attendez, je vais essayer de voir le plus près, lui. C'est mon wall d'animaux libérés. Vous pouvez trouver les combinaisons d'animaux que vous avez soignés ici. Franchement, je suis trop contente de tester ce jeu. Il me rend trop heureuse. On m'a proposé la clé à Delta. Ouais, j'avais les ombres, ouais. Dans les graphismes. J'ai dû beaucoup baisser. Je peux mettre moyen. Augmentation de la page web. Non, c'est web. C'est... Faut pas chercher. Hein. Terre marécageuse. Parlez. La rumeur veut que les animaux n'aient jamais aimé le savant fou. Enlève le RTX. On voit bien que t'as augmenté les ombres. En bref, on n'est pas sur Unreal Engine 5, je pense. Amélioration! Je peux m'améliorer avec sa grosse tête! Augmentation du web. C'est bon mes cristaux? Ah, j'en ai zéro. Acheter des webs. Forêt de conifère, ok, on y va. C'est pay to win, faut acheter des cristaux, putain. Ah, l'ours se sert. Ils se sont pas fait chier, ils ont juste mis la tête. Au moins pour l'araignée... l'araignée renard, ils ont essayé de te faire un truc. L'araignée renard. La renard. Araignée renard. Renard-araignée. Voilà, le renard-araignée. Trouvez 3 pièces dans cette carte et je vous donnerai une mini-map pour cette carte. Qu'est-ce que c'est à toi? Attention au droïde du savant fou. Je peux vous donner un indice. Mais j'ai pas de... Non, j'ai pas de sous. Un indice sur quoi en plus? Tiens. Je te libère. Ouais, je trouve un ananas. Évidemment. Genre, pourquoi je trouverais autre chose qu'un ananas? Évidemment que j'ai trouvé un ananas en libérant un écu chevreuil. C'est quoi ça? C'est un chat cheval.
Ah oui! Ah, je trouvais une pomme aussi. Pff. Un cheval, oui. Les fameux ananas arc-en-ciel dans la forêt. Ah, il y a un coffre. Oh, pardon, je saute un peu trop haut. Ouais, j'ai trouvé 50 toiles. Mais en fait, je savais pas que j'avais un nombre limité de toiles. Oh, j'ai explosé le truc. Ok. Ah oui, un droïde. Droïdes peuvent pas être détruits que par les... Ah, ne peuvent être détruits que par les super toiles, ok. Voilà, super weeb. Ok. Non, mais y'a... Y'a un caillou qui me... Y'a un caillou en colère. Regardez ses sourcils. Ah, le caillou, il va me niquer. Au secours. Et gueule, évidemment, du coup, là, les cailloux, par contre, ça donne les hamburgers. Une petite botte de foin, ça, c'est... C'est une autre monnaie du jeu. Tout comme les citrouilles. Ah, mais c'est de la vie! Ok, je viens de comprendre, je pense que c'est de la vie. Il y a des gens qui jouent à Dragon's Dogma 2, les bouffons. Nous, on a Spider-Fox. Soyez pas vénères. Oh, j'ai paniqué. Mais attendez, je les trouve vraiment que un par un, les cristaux, enfin les rubis, alors qu'il m'en faut genre, je sais pas, 300 pour une Amédio. Un écu chevreuil. Il y a 70 animaux à faire. Ah ouais. Franchement, après Palworld, on est dans une suite logique, hein. Oh, j'en peux plus déjà de ce jeu. Ça va le chat? Je vous avais dit que vous l'aviez pas vu ailleurs le jeu. J'ai pas menti. Bon, dans la forêt de conifères, qu'est-ce qu'il faut que j'y fasse? Ah, mais faut vraiment récolter tous les trucs un par un. Oh, mais c'est si long. Pourquoi il y a de la bouffe qui flotte? C'est vraiment de la vie ou c'est autre chose? Cette petite musique champêtre, effectivement. J'aurais pas dû dire qu'on allait jouer à Death the Diver. Je pense qu'on va passer la soirée dessus. Là, c'est un peu, ça va être un peu compliqué d'arrêter avant d'avoir eu les 70 animaux, quoi. Je peux aller plus vite? Non. J'enlève de la HUD. On vit quand même dans une époque où ce jeu existe. Le concombre, oui. Bah, il y a de la bouffe, en fait. Il y a que plein de bouffe partout, mais je pense que c'est du heal. Ah ouais, des cristaux verts, c'est pas de la bouffe? Genre un truc comme ça, là. Mais peut-être qu'il y a des cristaux qui valent plus. Attendez, on découvre encore la profondeur du gameplay, là. Ah, mais ouais, l'ananas, c'est bien. En fait, je crois que la bouffe, il faut que je la récolte aussi. Oui, c'est des munitions. Ah non, je crois qu'ils allaient me taper. C'est quoi, ça? C'est un puma d'eau... un puma dauphin? Un puma fin? C'est censé être quoi? Il me fuit en plus, il m'attaque même pas. Bah, on va voir. Je vais être curieuse quand il va être libéré, le machin. Et que le truc pourra même pas nager. Ah, c'était une tortue! C'était une tortue? C'était une tête de tortue, vraiment? Oh ouais, ok. Moi je veux ça, moi. Là, oh! Rainbow Weeb! Mais ouais, mais... Tiens. Tiens. Hop là.
Tous les bruitages sont bien équilibrés en tout cas. On est sur des jeux très supportables. Des bruitages très supportables. Ah, donnant. J'ai eu quoi? J'ai 36 rubis. Un jeu à Patoon, oui, tout à fait. Tout à fait, mais écoutez, ça... En jeu à Patoon, vous préférez quoi? Vous préférez un Assassin's Creed? Vous préférez le jeu... C'était quoi? C'était le jeu Roi Lion? Ou vous préférez Spider-Fox qui libère des animaux? Oh, c'est une montre religieuse! Comment ça s'appelle? Raton laveur! Raton ligueuse! Je vois... Oh, elle est là, la montre religieuse. Finalement, on en apprend sur la nature un peu. Ah, j'ai eu de l'amour. Hein? Pourquoi attendez? Pourquoi être duke? Duke. C'est quoi ces bruitages? Je comprends rien. Animaux seulement, hein. Ça va être chaud le 100% là. Est-ce qu'il y a des dégâts de chute? Bien sûr que non. Ah mais il y a des trois pièces à trouver, j'en ai trouvé une. Je crois qu'il faut que je nique les caisses comme ça. Ah non. Ça me donne des munitions ça. J'ai peur que la boucle de gameplay soit un petit peu répétitive. Même si on est quand même sur un open world assez généreux en loot. Il est possible que ça finisse par être un peu lassant au bout de 200-300 heures quoi. Malheureusement j'ai peur que... J'ai peur qu'on voit les limites à un moment quoi. Oh! Félicitations, vous avez trouvé un secret... Gold Spider Fox pour ce niveau. Et j'ai eu un succès Steam. J'ai un succès Steam sur Spider Fox. Professionnel. Merci. N'empêche que ce jeu est sorti pas the day before. Voilà. Attendez, je sais même pas combien il est le jeu. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. C'est important quand même. Spider Fox, il est à... Allô? Il me dit pas le jeu. Page du magasin. Spider Fox est à... Oh, il est pas sorti! Je le joue avant vous. N'hésitez pas à l'ajouter à votre liste de souhaits. Il est actuellement... Ah, il sort le 3 avril! Il sort dans... Punaise, il joue en Giga Early Access. Il joue 10 jours avant la sortie. Attention au NDA. J'avoue. J'avais pas pensé à ça. Non, normalement c'est bon. Normalement c'est bon. Attendez, je vous dis ça tout de suite. Normalement il était pas sur NDA. Sous NDA. Spider Fox. Non, j'ai même que... J'ai même une deadline pour le faire. Donc ça a l'air d'être bon. Ouais, non, il n'y a pas de date à partir de quand on peut le faire. Juste, il y a à partir de... Je peux le stream que jusqu'au 15 avril. Mais non, il n'y a pas... Tiens, c'est bon. Là, vous avez du content en exclusivité, putain. Je trouve pas assez enthousiaste. Mais toi, la reste... Oh, mais attendez, il y a des super rubis. Il donne 25. C'est officiel. Je suis du cul chez Ubisoft. Enfin, on le savait. Exclu Twitch World, exactement. On est sur une... World Premiere.
Eh là j'ai full rubis, on va pouvoir acheter un truc. Après le renard à 9 queues, le renard à 8 pattes. C'est vrai ça, tu sais. Il doit y avoir un symbolisme qu'on n'a pas. C'est quoi comme bébête? C'est un ours loutre? Un ours quoi? Ouais. Ouais, je me doutais bien, j'avais pas essayé encore ça. Oh ! C'est quoi ? C'est un rat salamandre. Non, descends pas, tombe pas ! Bah voilà, je vous ai libéré, maintenant vous pouvez tomber et mourir. Plus 25 oh, on va pouvoir avoir des améliots. Mais ouais, en fait, faut que j'escalade les arbres et tout. J'avais pas capté ça. Ouais, enfin bon, pour 4 rubis, par contre... Pas déconner, quoi. C'est pas la meilleure strat, je pense. Putain, mais pourquoi les cailloux, ils sont énervés? Je comprends pas cette créature. Trop fifou, le jeu. Vos premières impressions en tant que viewer, vous direz que sur une échelle de je suis hyper ému, ah, c'est le plus beau jour de ma vie, vous diriez quoi? Médusé, pas mal, pas mal. Couille. Couille. Ok. Je comprends, il y a peut-être aussi une certaine... Qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est un opossum et un caillou? Parce que c'est le truc rouge là. Il a implosé le truc. C'est un opossum, mais quoi? On est déjà à 20 créatures, hein? Je me demande pourquoi je suis pas encore au lit. T'as les jambes qui tremblent face à cette exclusivité. Très beau noyau, Lox. Merci. J'aurais pas dû stopper l'alcool. Je voulais dire que c'est tellement intense qu'il faut limite certaines substances pour pouvoir encaisser finalement. Genre après l'annonce de GTA 6, voire au-dessus de l'annonce de GTA 6, on a Mr. Fox. Pas Mr. Fox. On a GTA 6. On a Spider-Fox. En gros, quoi. Mais Spider-Fox bah, est quasiment bientôt jouable. Quoi. Là, moi, j'ai une exclue, mais vous, bientôt. Bientôt. Je pourrais envoyer un message au dev, si vous voulez. Les cristaux violets, ça compte 25. Ouais. J'en ai pris tout à l'heure. Juste que vu qu'ils sont roses... plan de sortie. Toi, les trois pièces. Mais j'en ai trouvé qu'une. Fuck. Je n'en trouvais qu'une, mais par contre, en vrai, je peux peut-être avoir une amélio. Ouais. Je vais peut-être aller tout de suite chercher une amélioration. Oh là, c'est un rose, ça. C'est pas un rouge. Coucou, c'est qui? Coucou, Fernand Angelus. Le rhum, il tabasse, je vois des trucs étranges. T'inquiète, c'est une world première. T'inquiète, c'est normal. Si t'as l'impression de redécouvrir le gaming, là c'est normal. Ok, attendez, je vais rentrer, je vais améliorer ma toile. On dit du mal du jeu car on est jaloux. Ouais, non, et puis je vois, voilà, une certaine... C'est normal, face à toute nouveauté, il y a toujours des gens dubitatifs. Maintenez le bouton pour tirer les whips vers le bas pendant 2 secondes pour tirer une soupe au whip. Ah, ça vaut 50 whips. Ok. Plan de sortie. Ah. Je vais m'acheter des améliorations.
a des weebs. C'est vrai que je dis weeb alors que c'est web. Moi, je dis ça, moi. Chelou, un peu. Alors, amélioration de niveau, augmenter la vitesse d'exécution, augmenter le niveau d'escalade. Je vais prendre ça. Et combien ? Ah, j'en ai pas assez pour une autre amélioration. Formation en ligne sur le grappin. Ça va aller. On retourne à la forêt de conifères, on va essayer de trouver les pièces quand même. Ah, j'ai eu un cœur. Ah, c'est que je vois tous les animaux sur la carte. Ok, j'avais pas vu, il y en a un là. Ah ouais, sur mon... Ah, je savais pas. C'est un alligator, une tortue. Faut que je me dépêche, il y a d'autres créatures là-bas. Oh, je suis tombée dans l'eau. Oh, l'arrêt. Spider-Fox n'aime pas l'eau. Quoi? Des bisous, Gaël. Bonne nuit, petit Gaël. Bonne semaine. En espérant que tu dormes cette nuit. Bon courage. J'espère qu'on dormira tous super. Mais je pense qu'avec un tel jeu, il n'y a pas trop de raison. Mince. Ah ben non, j'ai rien dit. Je vois pas le radar, mais c'est normal. Ok. Putain, je veux un autre radar, c'était trop bien. Enfin, trop bien. Peut-être que certains jeux m'ont fait revoir mes espérances et du coup je m'en jaillis peut-être un peu trop. Je suis convaincue que je vais l'acheter. Il n'est pas encore sorti des eaux. Mais n'hésitez pas à le mettre en liste de souhaits. Je manquerai pas de couvrir les mises à jour. Pas chanteur, je veux surtout pas me spoil. Y'a pas de bonus de préco? Je sais pas. Faut que je mette hashtag SpiderFox. Non mais c'est bon. Non c'est bon. Ok, regardez, y'a encore la bestiole avec sa tête rouge là. Mais qu'est-ce que c'est ça? Comme animal. Ah, c'est un pivert! C'est un Woody Woodpecker! Je sais pas faire le rire. Liste de non-souhaits. Tu vas le blacklister le jeu. Attends. Encore les cailloux. Mais pourquoi j'ai des cailloux qui m'attaquent? Après, je suis pas sûre que ce soit l'essentiel de s'intéresser à de se poser cette question maintenant. Mais disons que j'ai... Dans le lore, qu'est-ce qu'il représente finalement? Oui. Ça se speedrun, ça, en vrai. Mais j'aime peut-être le dé sur le chat qui a le cœur qui saigne, peut-être. Mais non, mais c'est forcément un jeu fait avec beaucoup de second degré. C'est littéralement un jeu qui s'appelle Spider-Fox et où on est une araignée-renard. Une renard-araignée, un renard-araignée. Donc, je ne peux pas croire que le dev se soit dit... C'est le projet de ma vie, premier degré. J'ai lu l'or. Bah, au début, ouais, il y a le truc de présentation. C'est un savant fou qui s'amuse à transformer des animaux. Et nous, quand il nous a transformés, vu qu'on avait tout plein d'amour dans le cœur, et ben, ça a fait que notre toile peut soigner les animaux qui ont été transformés. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enfermé le savant fou avec notre toile. Et maintenant, on recherche les autres animaux pour les libérer.
Non, elle, c'est Lox. Oui, je m'appelle pas Lore, je m'appelle Lox, n'importe quoi. Donc oui, en vrai, j'ai lu le lore. C'est plutôt un beau message, en plus. Moi, ce que je veux, c'est trouver peut-être au moins la moitié des animaux libérés. On aurait fait un bon, une bonne partie du content, là. Sans trop vous spoil, parce que le jeu va sortir bientôt, donc voilà, ce serait dommage. Ah, je me suis pas accrochée. Lore TV. Après Love TV, Lore TV. Et en plus, j'ai bien visé. Bon, la manette, il est très jouable en tout cas. La prise en main manette est parfaite. Voilà, la prise en main tout court finalement. On s'y fait bien. Bon, quelques problèmes d'optimisation. Hein. Il a fallu que je mette tout en faible. Mais sinon, sinon c'est quali quoi. Fais te plaît, spoil tout le jeu que tu veux. Non, non, je voudrais pas vous... je voudrais pas risquer de vous spoil l'intrigue quand même. C'est un peu dommage. Bon bah il y a plein de pièces que j'ai pas trouvées pour le moment. En tout cas on est à 30. On va essayer de trouver 35 créatures. Ce serait bien. Et bah vous savez quoi, pour le moment en tout cas je regrette pas du tout. Il y en a un là. Mais c'est juste un écureuil ou c'est un truc magique là? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. 32 créatures. Ça va, ça va, ça va vite en vrai. Je vise pas aussi. C'est moi aussi. J'avais l'impression que ça faisait une aura autour de moi. Ok. Ah, ah oui, là je vois le radar. On n'a pas trop dans le coin des créatures. On a là-bas. Ici, c'est quoi? Ah, c'est le berger allemand et le poulet. Oh non, le caillou, putain. Allez, plus qu'une dernière créature à libérer et on aura déjà fait la moitié de la forêt. Je pense qu'on aura un sentiment de complétion suffisant. Sentiment d'accomplissement plus. Je vois là-bas. Mais c'est peut-être juste une vraie tortue. J'ai vu un truc ici. Ah non, c'est pas du tout une tortue. Mais surtout, faut pas du tout le libérer. Il est déjà libéré. Ouais, mais j'ai déjà upgrade mes pouvoirs. Mais bon. Je sais pas si c'est très utile. On est déjà très puissant quand même. Ça, c'est un animal normal. Oh! Là-bas, c'est un ours normal. Oui, ça a l'air. Il a une tête d'ours et des pattes d'ours et un corps d'ours. Le cheval qu'on a fait, il était avec le chat, on les a libérés. Ah, j'ai plus d'animaux libérés. J'ai trop bien fait mon travail.
voulais en trouver un dernier. Ça, ça compte pas, ça. C'est des cailloux. Comment ça, les darwinistes en PLS? C'est un peu d'histoire qu'on est en train de voir, là. Je sais plus quoi dire pour donner de la profondeur au jeu. Juste que je vais monter et chercher le dernier animal. Enfin, pas le dernier. Faut pas déconner, on va pas tous les faire. Je vais en chercher un dernier. Oh, il y a une pièce là-haut. Il y a une pièce, il y aura peut-être une bébête. Salut Didi Boel, comment vas-tu? En tout cas, voilà, je voulais vous proposer du content unique. J'ai envie de dire, il y a la moitié des streamers qui sont sur... sur Supermarket Simulator, donc j'ai envie de dire qu'au bout d'un moment, c'est qui les plus bizarres? J'ai pas la réponse. Oh oui, le dernier animal, enfin le dernier. Pas vraiment, mais bref, vous avez compris. Oh, il a plein de vie. Je vais faire une soupe au web. Web. Voilà. On a 36 sur 70. Pas faux. Faut remarquer quand même qu'il y a de l'effort dans le content, quoi. Je vais quand même monter. Qu'est-ce que c'est que ce truc mi-renard, mi-araignée? C'est quoi le concept? Ça s'appelle Spider Fox. Et le concept, c'est qu'on est un renard araignée qui a le pouvoir de libérer les autres animaux mutants qu'un savant fou a fait. Voilà. Oh, une araignée raton laveur. Du coup, on les libère. Et il y a des robots du savant fou qui nous traquent, donc faut casser les robots. Il y a des cailloux énervés, des fois ils nous poursuivent aussi. Et dans la forêt, on trouve des saucisses. Voilà. C'est une world premiere. Bon bah c'est bien, hein, on a accompli un peu des trucs finalement ce soir. On a Dave the Diver qui nous attend, mais je voulais vous proposer autre chose avant. Bien ton jeu Lox, merci. Oh punaise, en ce moment j'ai régulièrement un jeu très chelou. De côté au cas où. Bah voilà. Des zombies trapules. Évidemment, pas de spoil ou de backseat. Hein. Ça fait merci. Écoutez la modo. Sinon, elle s'énerve. Hein. Spoilez pas le jeu, ça dégoûte. Je vais arrêter d'ouvrir les coffres. N'empêche, les joueurs de Genshin, là. Imaginez, vous aviez autant de... Imaginez ce que ce serait si vous aviez autant de coffres sur vos maps. Et si vous pouviez vous déplacer avec la facilité d'un Spider Fox. Kojima a tweeté I love Spider Fox. This is the game I wanted to create. Pas surprise. Bah il paraît que Death Stranding a été pompé sur Twitter. On peut pas backseat en exclu, c'est vrai. C'est vrai que c'est une world première, putain. Je m'en vais. Je m'en vais, je vais juste voir les améliorations que je peux avoir.
Désolée, j'arrête pas de bailler. Eh ben, on y aura joué pas loin d'une heure. Presque 40 minutes, là. Je vais m'acheter la vitesse d'exécution. Voilà. Et du coup, regardez tous ces animaux qu'on a libérés. C'est tous ces animaux que... C'est une représentation de chaque mélange qu'on a croisé et qu'on a libéré. Vous, c'est lequel, votre préféré? Moi, je pense que... Le salamandra me plaît bien. Après le Spider Fox, bien sûr. Tu bailles parce que je détends un max, oui. On peut lever tubing. Et c'est pour ça. Attendez, faut que je trouve. Faut vraiment que je le trouve, sinon je recapture ma snap caméra. Mais normalement, elle était sur ma scène, là. Ça dégoûte, je la trouve plus. Snap camera, snap camera. Ça dégoûte. Elle est plus là, ma snap caméra. Attendez, peut-être sur cette scène-là. Est-ce que je l'ai, là? Je l'ai plus. Ah si, elle est là. Attendez, attendez. Attendez, j'ai ce qu'il nous faut, je crois. J'ai ce qu'il nous faut. C'est bon. Je cherche le bon. Voilà, celui-là sera bien, je pense. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. J'ai trouvé. Je sais pas où il était passé, mais c'est bon. J'ai la caméra adéquate, je crois, pour cette présentation. Oh, putain. Regardez quand il marche. Oh là là. Un jeu. C'est un jeu pour les streamers comme moi. Merci d'avoir trouvé comment nous représenter Spider Fox. Tu confonds loup et renard. Mais attends, je vais mettre Fox. Je vais mettre Fox, tu vas voir. Attends. Si je mets Fox. Mais je vais trouver que des trucs dégueulasses avec des vieilles oreilles là. Voilà, quand je mets Fox... Attends, il y a ça. Ça, c'est peut-être bien, ça. Mais... C'est terrifiant. Ah, c'est vous qui avez voulu. Ah, attendez. Perfect. Ah. Attendez, cherche autre chose. C'est pas fou. Non, là, il y a peut-être mieux. Mais sinon, il y a plein de trucs, genre comme As. Ah, j'ai des petites oreilles et blablabla, et on s'emmerde. Ouh. Oh. Mais c'est quoi, ça? C'est censé vraiment être un renard? Oh, oh ouais. Je contrôle plus trop ce qui se passe, mais en tout cas, on est dans le cauchemardesque. C'est plus un écureuil. Bah ouais, peut-être, ouais. Peut-être. Mais il s'appelle Foxy. Zéro effort. Zéro putain d'effort.
Celui-là. Mais voilà, Fox, il n'y a rien, j'y peux rien. C'est pour ça que j'avais mis Lou. Lou, au moins, il est pas gerbant. Ceux-là, ils sont tous gerbants. Hein. Oh là. Pourquoi j'ai du caca sur la figure? Pourquoi j'ai du caca sur la figure? Putain, ils mettent un truc, j'ai du caca! Et voilà, après c'est que des merdes comme ça. Ah ouais, j'ai trouvé un renard. Ça se voit. Mais par contre là, pourquoi il y a du caca là, en vrai? Quel rapport avec le renard? J'ai besoin de réponse. T'as chié dessus? Mais ouais! J'ai du caca. Et après... Dancing Fox. Nickel. Nickel. Je me sens pas du tout souillée là, tout de suite. C'est vous qui avez parlé de VTubing. Bon, je vais peut-être arrêter la VOD, en vrai. Bisous la VOD. Je vais récupérer celle-là. Ah, non, c'est que sur ma tronche, là, qui veut twerker le machin. Apparemment, c'est que sur ma gueule. C'est encore de ma faute, exactement. Bisous la VOD, du coup. Voilà, c'était Spider-Fox. J'espère que vous connaissiez pas, en tout cas, je pense. Des bisous. Bye bye, la VOD.